hier et puis on papote entre nous. Voilà. Merci à Arnaud d'avoir partagé sur Facebook l'objectif et on a réussi à avoir un follow de plus. Merci beaucoup. D'ailleurs, je remercie Simon 1005 1995 d'avoir follow. Super sympa. Maintenant, il nous en manque plus que 9. On va y arriver. On y est petit peu par petit peu, mais on va y arriver. On est bon. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a que il y a des PO. Les PO, c'est bien. Le PO, c'est ça permet de pouvoir acheter des conneries. Puis on va aller faire nos quêtes aussi au passage après. On va d'abord aller faire les quêtes et on va les voir. Hop, on va rentrer à. Les chantorages perdureront. Oui, si tu le dis. Alors j'ai mis le compteur. Ah, va falloir que je redimensionne la fenêtre parce que sinon vous verrez pas grand-chose. Hop. Hop, on va la remonter. Voilà. Là, ça devrait être mieux. Voilà, ça c'est mieux. Hop, voilà, c'est mieux. Bon, vous avez pas le bas, mais de toute façon, vous en avez pas besoin. On va redimensionner tout ça. Hop, non, c'est pas tout à fait ça. Non. Oula. Alors là, il a carrément bugué. Il veut plus me le donner. Ah, parce que j'étais pas sur la bonne fenêtre. Voilà, c'est bon. On va cacher le petit chat. Parce que de toute façon, ça vous intéresse pas. Hop là. Voilà. Ce sera beaucoup plus sympa. Ça sera beaucoup plus sympa et on va revenir sur le jeu. Donc comme dit, bah on est pas loin de l'affilié, hein. On est tranquille, on avance gentiment mais sûrement. Donc là ce soir on sort la gnome. Mais je pense qu'on va peut-être sortir Armstrong ou un truc comme ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, bonus. Deux cristals d'azurite luminescence 256 et 200. Ouais, bah c'est bien, c'est cool. Hop là. Mission réussie. Est-ce qu'on a un bonus? Oui, bonus ce soir. Ah bah d'ailleurs, ça, on est chanceux. On en a de la chance ce soir.
Ouais, bah on a même eu plus au bonus que ce qu'on avait eu à la base. Bon, bah c'est bien. Suivant. Bah alors, voyons voir. On a quoi? 7ème Légion. Changeable au truc des mascottes. Voilà. Donc on a ça, ça. Donc on peut en faire combien? On pourrait en faire 2. Bon, une chance sur deux d'avoir des bonus. Et là, on a quoi? On a ça. Hop. Ah, mais on n'a pas le reste. Mince. Salut Ryan, comment vas-tu? Salut Dark Nelik. Comment allez-vous? Bon, on est à 9 sur 40. On est à 9 follow du comment s'appelle du de l'objectif. Bah écoute, ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Ah, je peux pas en faire deux, je peux en faire qu'un. Ah, bon, il va recruter. Mathias Shaw. Ça, il se prend pour James Bond, lui. Je m'appelle Bond. James Bond. Tournez-vous vers les ombres. Excellent, bien, et toi? Bah écoute, moi je suis en fin d'exercice, là, sur le au boulot. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. Et on n'arrête pas. Voilà. Donc là, je fais un petit live de 1 heure. Tranquillos. On peut parler de ce qu'on veut pendant que moi je fais mes quêtes journalières. Tranquille. Voilà. Tu étais là dimanche, Ryan, ou pas? Salut Mist. Donc Ryan, ce dimanche on a fait du ouais, tranquille. On a fait du rallye. Il y avait des. J'ai passé un championnat de rallye cross en sim racing. Donc c'était plutôt sympa. Bon, j'ai pas trop commenté parce que c'était vraiment annonce. Enfin voilà, on a. C'était très très. Oh bah y'a du monde ce soir. Meriti, Ryan, Miss, Dark Medic. Allez, on prend tout le monde, nous, il n'y a pas de soucis. Hein. Viens des. Ah, ça arrive, ça, Ryan. Hein. Moi aussi, des fois, j'ai des soucis. Voilà, que les meilleurs, le noyau dur. Viens et toi, Magic, Mist. Soit l'amiral suprême. Faites bon voyage. Ah, j'ai pas défoncé la cape et le. Tant pis. Donc je te disais Ryan, ouais, on a fait du, on a passé du rallycross. On a Salvin qui est venu nous donner pas mal de d'infos et tout. Ça a été super sympa. Du coup, j'ai pas trop commenté. Ah bah tranquille, Mist. Bon allez, j'ai encore une semaine à tirer et après moi je suis en vacances. Après, vous pourrez m'avoir toute la journée rien que pour vous si vous voulez. Nickel, NBA 2K. Près du crâne.
chanceux, Dark Medic. Chanceux à tous. Il y a qu'un courageux pour se lever le matin, c'est moi quoi, en gros. Myst, t'as failli disparaître, dis donc, de la donation. Tout à l'heure, j'étais en train d'essayer de réparer mon bot. Mais pas mon bot, mais mes overlays, enfin de bosser dessus. Et tout d'un coup, pouf, t'avais disparu. Bah faut continuer à donner alors. D'ailleurs, t'as traîné là-dessus parce que, comment s'appelle, on a eu. On a testé. T'as été le premier à faire. Du coup, on a vu ce que ça donnait. On a été très surpris. Je n'ai pas de cible. Du coup, on a appris avec toi comment ça se passait pour les donations, etc. Mais tu resteras mon top donateur, Miss Magic. Dans notre cœur, tu seras toujours mon top donateur. Ah, t'as vu comment c'est joli, m'ont dit ça. Bon, après j'arrête, hein, après de passer de la pommade, après ça s'étale plus. C'est clair. Parce que je suis fatigué, c'est pour ça. Non, mais c'est bien, on avance. On avance, on avance. Bon, il y a Meriti qui m'a fait une proposition hier soir. Elle m'a dit que pour 5000 points de chaîne, elle jouait à ma place pendant une heure. Moi ça me dérange pas. Ça me dérange absolument pas. On peut augmenter aussi, hein, je sais pas, on verra. On verra avec Meriti, si elle est d'accord déjà. Pour l'instant, elle bronche pas, donc ça doit être bon.
Bon, allez, 10 000. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller aussi follow sa chaîne. Elle est géniale et c'est ma super modo à moi. Mes enfants ne seront jamais sur ma chaîne. C'est même pas en vrai. Personne ne nous arrête. Bah si, la preuve, hein. Alors ce soir j'ai des problèmes avec mon téléphone, il veut absolument pas se recharger. Il en grève le pépère. Ça y est. En gros j'ai la prise d'alimentation qui est morte. Et ah mais ça c'est tous les jeux, hein. Du moment où tu as perdu tes marques, c'est chaud pour reprendre. C'est chaud pour reprendre. Tu peux galérer pendant un moment. Ça c'est ok. C'est ça que je trouve dommage. Ah ouais. Alors, attends. Ouais. Et puis il y a des fois il y a des trucs que tu préfères jouer sur certains jeux et d'autres non, suivant les versions. Moi je sais qu'il y a des jeux que je regrette parce que bah, les versions ont légèrement changé et ou bah des choses, hein, pas grand chose, mais certaines choses ont changé. Et du coup, bah voilà, c'est moins intéressant.
Non, ce qui veut dire en réalité, Mist, pour une fois, c'est en réalité, il touche pas déjà un ballon. Voilà. Il regarde du basketball, il joue pas au basketball, c'est deux choses différentes. Pour 1 million, tu deviens VIP. Je sais pas, on verra. Ouais, peut-être 1 ou 2 millions. Bah déjà, pour arriver déjà que je stream 1 ou 2 millions de points de chaîne, il y a. Et pour le vent, c'est gratuit le vent. Je te le fais gratos. Vous êtes là pour discuter ? Ou pour faire affaire. N'hésitez pas à repasser. D'ailleurs, en parlant de ça, on devait avoir la rétrocompatibilité des jeux sur PS5. Et là, bizarrement, pouf, plus rien. Ah ça, les jeux. Ça, quand on était plus jeune, ouais, on se prêtait souvent les jeux. C'était terrible. Moi j'ai un pote, je lui ai donné un jeu tout quasiment neuf. Hein. Je l'avais acheté 2 mois. Et 2 mois après, enfin, le temps de le finir, quoi, tu vois. Et je le prête à un pote qui s'appelait David. Il me l'a rendu, j'ai cru, mais genre 1 mois après, tu vois. Bon, on habitait tous dans le même immeuble. Donc voilà, on se croisait tous les jours. Enfin voilà, tout le monde se connaissait. Hein. Limite, on bouffait tous ensemble. Le week-end. Et le gars, mais j'ai eu cru qu'il m'avait ramené un jeu qui datait de l'antiquité, quoi. La boîte il n'y avait plus de boîte, il n'y avait plus que le jeu, la case retouche de jeu Nintendo. Et rayé comme pas permis, quoi. T'avais l'impression qu'il y avait une voiture qui avait roulé dessus pendant 2 heures, quoi. Ouais, bah ouais. Mais du coup, a priori. On va l'avoir dans l'os avec la PlayStation 5. Je dirais pas que c'est gros comme une maison, mais voilà. C'est ce qui va beaucoup me décevoir sur la PlayStation 5. Pourtant, elle est super jolie et tout. Mais ça, j'avoue que j'ai pas trop. J'attendais beaucoup de cette console-là là-dessus. Ouais, PS4, mais quid des PS1, PS2, PS3. Alors dans les jeux de basket, c'est quelle est votre équipe préférée, les gars? Les Spurs? Et les Celtics aussi?
Donc ouais, moi c'est les Lakers. Ouais, j'avoue que les Lakers. Ouais, j'étais. Alors, je connais pas les Lakers de maintenant. Mais moi, je suis plutôt des années 90. Donc moi, pour moi, c'est les Lakers. J'avais un grand pote, Nico, qui était fan des Charlotte Hornets. Faut savoir que maintenant les Charlotte sont partis ailleurs. Non, je crois qu'ils sont revenus à. Les Hornets sont revenus à Charlotte, mais ils étaient partis un moment. J'étais pas un grand fan des Bulls. Moi, j'étais plutôt Magic Johnson. J'ai adoré Magic Johnson. Et la grande époque de la Dream Team, des premières Dream Team aux Jeux Olympiques. Bah, je crois, ouais, mais ils sont partis de Charlotte, les Hornets. C'est dommage, c'était une bonne équipe en plus. J'aime beaucoup. Mais ouais, moi je préfère les. Puis alors, il y avait. J'aimais bien aussi les Utah Jazz avec. Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue. Je vois son image, mais je me souviens plus de son nom. Non, non, non. Barclay. Charles Barkley, ah Malone, oh, énorme Malone, Karl Malone. Donc moi je suis de, comme vous l'avez compris, je suis pas un jeune, hein, je suis un vieux. Hein. Moi j'ai connu la grande époque du comment ça s'appelle du basket et on a connu, bah moi j'ai connu à l'époque où il y avait Michael Jordan. Magic Johnson, Charles Barkley, Karl Malone, Pat Ewing, tous ces grands joueurs quoi, c'était énorme, énorme. C'était les gars mais complètement. Kareem Abdul-Jabbar, bah ça c'est encore avant ça. Ça c'est encore avant cette époque-là. Kareem Abdul-Jabbar qui a joué dans le film Opération Dragon, je crois, avec Bruce Lee. Si mes souvenirs sont bons. Mais oui, bah ouais, normal, au bout d'un moment, ils ferment les serveurs. Ouais, j'ai jamais été un grand fan de. Enfin, je reconnais son talent, hein. J'ai jamais été un grand fan de Jordan. Même si, bon, bah voilà, hein, ça reste un grand joueur. Mais si vous avez possibilité, allez voir sur YouTube les matchs de la Dream Team au JO. C'était mais énorme, quoi. Énorme. Les mecs, ils mettaient des tôles. Les gars en face, moi je me souviens de. Ouais, bah LeBron, je suis pas. Quand t'as connu Magic Johnson, Jordan, etc., je t'avoue que on me sort des noms depuis quelques années. Mais moi, les gars, je les trouve pas énormes, quoi. Voilà, quoi. Enfin, je dis pas qu'ils sont pas incroyables, hein. Je dis pas que les mecs jouent mal, hein. Mais franchement, je dis pas que le niveau a baissé, mais voilà, quoi. Je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel, quoi. Là, je sais plus qui on m'a sorti il y a pas longtemps. Je parlais justement. Je disais, mais moi, je trouve pas que en ce moment il y ait un niveau de ouf, quoi. Plus, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis ces derniers temps, là. Ça se peut, hein, Magic. Hein, je sais pas. Moi, enfin, je t'avoue que là, il faut que je reprenne. Je vais peut-être reprendre. Enfin, je vais peut-être prendre. Comment ça s'appelle? La chaîne là où il y a tous les matchs justement. J'étais en train de. Le problème, c'est comme ils ont annulé tous les matchs avec le déconfinement. Je l'ai pas prise. Mais peut-être qu'à septembre, je reprendrai Beansport, voilà, ouais. Parce que je veux voir les matchs, moi j'aime bien aussi le football américain. Du coup. J'aimerais bien voir les matchs.
Comme je dis après, le problème c'est que les abonnements, tu les loisirs quoi. Mais ouais, les matchs en direct, ça peut être top, ouais. Se faire des soirées match avec hot dog, popcorn, coca et bière, ça peut être sympa. Je crois qu'elle est là-haut, elle. Je l'ai peut-être zappé. Bah évidemment le pot de glace. Bah des fois Ryan tu sais ça peut jouer à pas grand chose. Des fois des joueurs en moins, des options en moins, s'ils ont revu la configuration des touches, des trucs comme ça. Ça peut être voilà quoi. Après, je pense que Miss pourra t'en dire plus. D'ailleurs, quelqu'un... quelqu'un sait quand est-ce que reprend la saison régulière aux États-Unis pour le basket, etc. Fin juillet, ok, bah ça va être cool. Pile poil au moment où je pars en vacances, quoi. Dans une bulle à Disney Orlando. Non mais ça m'étonne pas. Là il y a les Grands Prix de Formule 1 qui vont reprendre mais à huis clos il parle donc tu vois. La Belgique vient de dire ok pour Spa mais à huis clos. Là je crois qu'il partait je sais plus où là la F1. Il parle aussi de Le Mans a priori. Comment ça s'appelle? Alors, en général le... Le 17 devrait pas être trop cher. D'ailleurs, Ryan, si tu veux, prends-le. Si tu peux. Ah bah non, ça dépend sur quelle plateforme tu le prends, j'allais te dire. Parce que si tu le prends sur PC, passe par Instant Game. Et utilise le lien. Mais ouais, non, c'était sur normal. Si tu es sur console. Mais en console, tu dois le trouver. Ouais voilà, là c'est clair, hein. Moi je t'avoue, j'ai tous les... Je prends les jeux de Formule 1, mais j'attends qu'ils soient à 5-10 euros, quoi. Si, Miss, parce que là, il y a justement, il y a Micromania qui fait un gros truc sur les jeux PS3. Depuis qu'ils avaient annoncé la rétrocompatibilité sur certaines consoles, Micromania a ressorti des jeux. Au pire, tu le trouves sur eBay, hein. Bah t'inquiète Aaron, t'inquiète. Mais ouais non, regarde peut-être sur eBay. Tu l'auras peut-être plus facilement, enfin plus rapidement que d'aller chez Micromania et d'attendre qu'ils sortent. Bon bah tu vois 10 euros. Mais regarde quand même sur eBay si tu peux pas l'avoir moins cher. Ah, on me dit derrière que Vinted pourrait être un bon plan aussi. Ouais, bah tu vois. Moi j'en ai plein des Formula One, mais là je les vois plus, ils sont cachés. Mais j'en ai acheté plein pareil. Surtout les vieux. J'aime bien les anciens, ils étaient bien. Ouais, je sais, mais ils refont beaucoup de PS3. Bah ils ont vu que ça se vend, donc les mecs se jettent dessus hein, maintenant.
Enfin, j'étais persuadé d'avoir trouvé un truc qui pouvait m'intéresser, mais il n'y a rien là. Ah, parce qu'il y a plus. Il y aura peut-être des trucs par là. Non, il n'y a que de la thune. Là, il y a ça. On va essayer de descendre en bas, mais ça va être chaud. Ah là, il y a peut-être plus de choses. Là, il n'y a que de la puissance prodigieuse. Ah, là, il y a des trucs sympas, peut-être. Ah, j'aurais voulu avoir des... De la répute, mais il n'y a pas grand-chose ce soir en répute. Bon, on va essayer celui-là. Donc, il faudrait que j'aille à Ferté d'Arum. Ferté d'Arum. Hop là, et là je suis. Il est où le fly? Il est par là. Ça dépend des arrivages, ça dépend de beaucoup de choses. Arum, mais il y a de grandes chances. Il y a de grandes, grandes chances. Moi, de toute façon, je vais te dire, hein, s'il y a un jeu qui a plus de 20 euros à Micromania, je le laisse dans le bac. Tu peux demander à Meriti. Moi, Micromania, ils me connaissent. Je connais, ils me connaissent dans deux magasins autour de chez moi. Les deux, ils savent que moi, en général, j'achète des jeux, c'est quand ils sont à moins de 10 euros. À moins que ça soit un jeu phare que je veuille tout de suite. Mais dans ce cas-là, je vais même. Mais sinon, c'est pas chez eux que je vais acheter du neuf. Hein. Ouais, ils savent que je suis le roi de l'occasion et que le pognon je leur donne pas comme ça juste histoire de dire tiens si je leur filais des pépettes aujourd'hui. Je me rappelle une fois d'un gars qui m'a sorti meuf, vous voulez je me souviens d'une fois le gars je lui fais il me fait oui alors vous voulez tel jeu, je fais oui j'aimerais bien trouver tel jeu et tout. Et puis le gars me fait d'accord, bah il est à 34 euros. Je fais d'accord, bah écoutez, j'attendrai. Il me fait mais vous voulez pas? Je fais si, si, mais j'attendrai. Le gars me se dit mais il est complètement fou, il me demande un jeu. Et, je fais ouais, mais non, non. Je vais pas mettre. Je vais pas mettre des sommes folles alors que dans deux mois vous allez baisser le prix. Hein. Hors de question. Hein. Bah ça lui a pas fait plaisir au gars. Enfin, je peux comprendre, il est pour vendre, hein, mais... Bon les gars, je veux pas être méchant, mais quand même, sinon je vais vous... A priori, Ryan, t'as un 9,99. Ah, vérifie la plateforme, c'est bien la plateforme que tu veux. Ted est la bienvenue. Mieux vaut flotter sans grâce. D'ailleurs, je vais vous faire triper. J'ai une carte gold chez Micromania. Faut le faire.
Oh, Mighty, il y avait Myst qui parlait de te dégager, mais finalement, on va te garder. J'avoue que j'ai pas dû toucher un jeu de basket depuis PS2. Ouais, pourtant je dois en avoir un quelque part qui traîne, mais alors. Ouf. Mais ouais, non, ça date, hein. Je te dis, la dernière fois, à de mon époque, quand je jouais au jeu sur PS2, il devait y avoir encore Jordan, etc. D'ailleurs, tu pouvais transférer les joueurs, je crois. Mes souvenirs sont bons. Moi, c'est ça que j'adore dans les jeux, c'est transférer les joueurs. Et les faire jouer à des postes improbables. Genre, bah, vous, ça va pas vous parler, mais... Genre le gardien en attaque, enfin, si, vu comme ça. J'allais vous dire Barthez en attaque, mais. Genre le gardien, le meilleur gardien du gauche, je le mets en attaque, quoi, tu vois. Et détruisez toute trace de corruption avant qu'il n'ait le temps d'agir. Bah, bien sûr. Faut qu'ils prennent ta carte de fidélité. Tous les euros que tu dépenses chez Micromania en magasin, il te la demande déjà, oui, en général. Et en plus, comment ça s'appelle, il te cumule Dans des quel points camp êtes-vous? pour chaque fois. Moi, je la sors direct, comme ça j'affiche le. J'allais dire, j'affiche le prix. J'affiche la couleur. Je peux savoir ce qui vous prend. Ouais, c'est top ça. Je vous prierai de garder vos distances. Voilà, elle a pris cher, elle. Je sais pas qu'est-ce qui lui a tiré un carreau d'arbalète, mais elle a pris cher direct. Que puis-je pour vous? Tous plieront devant la matriarche. Mais après, tu peux te faire des équipes de fous, quoi. C'est clair. Tu m'étonnes, Kyrie Cross Basket. Je regardais ça le matin avant d'aller au taf avant. Aïe! Puis-je savoir ce qui vous prend? Dans quel camp êtes-vous? Ah, Dugarry, moi je suis désolé, je trouvais que c'était un bon joueur. Après, en 98, il y a eu des choix de joueurs qui ont été faits. Moi, j'aurais pas fait les mêmes. Mais bon, après, c'est autre chose, hein. Que puis-je pour vous? Dans quel camp êtes-vous? Je vous prierai de garder vos distances. Aïe! Puis-je savoir ce qui vous prend? Je vous prierai de garder vos distances. Aïe! Ah, maudits étrangers! Oh, les mouches de sang que sont particulièrement agressives ces jours-ci. Mais après, le foot, c'est un grand débat. Hein. Tout le monde, on a. Il y a autant de sélectionneurs que de. Comment ça s'appelle? Que de gens qui regardent la télé. Hein. C'est ça le problème. On a tous nos joueurs préférés, on a tous nos trucs. Hein. Money time les gens, et je viens de marquer un gros 3 points, je vais gagner mon
Ah, j'ai cru que t'allais dire autre chose. J'allais dire c'est money time. Chouette! Allez, vas-y, fais péter les dons. Il va. Je me suis dit, ça y est, Myst. Il s'est pris pour Red One et il a sorti la carte Richard, bleue et tout. La totale. GG Myst pour le 3 points. Donc je t'explique la ref, bien que tu m'as compris, mais en gros il y a un viewer sur Twitch, en gros, qui lâche des sommes insensées. Voilà. Donc il passe de stream en stream et si le stream lui plaît bien, des fois il peut lâcher des sommes pas possibles quoi. Donc c'est un gars de chez Digibenz, de la chaîne de Digibenz, et on l'a vu des fois passer sur des lives et le gars il sort la carte bleue et il te défonce le score quoi. Il te défonce le. Non, Myst, tu n'es pas un baron du pétrole. Je sais. Tu es juste de la famille. Comment il s'appelle? Rockefeller. Ah, mais attends, mais Ryan. Peut-être qu'en début de carrière, il était peut-être plus fort que Zidane. Hein. Zidane s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà, hein. Et puis Zidane, à la fin, voilà, il pouvait pas assurer demi-temps complète. Hein. Faut être réaliste aussi. Hein. Donc, il y avait une différence de niveau entre les deux à la fin, voilà. Maintenant, faut pas rêver non plus. Zidane, c'est Zidane. Hein. Mais Zidane, c'est pas un enfant de cœur, hein, faut pas croire. Hein. Ah, il me manque des objets. Petit, vous êtes vous caché où? Oui, bien sûr. T'en as plein. C'est comme t'en as qui dit comme en F1, t'as Vettel qui dit que il a été meilleur que Schumacher. Tu vois, mais faut parce que bah ils étaient sur les mêmes circuits. Mais voilà, t'en avais un qui avait une Ferrari, l'autre qui avait une voiture qui avait un. T'avais une Ferrari où des mecs ont 50 ans d'ancienneté dans la maison, qui ont des ingénieurs de fou, et t'as l'autre côté, t'avais Mercedes qui arrivait dans le milieu, quoi, donc tu vois. Le lien de la vidéo, quelle vidéo? Ah, de Harden? Oui, si tu veux, vas-y. Au pire, sinon, tu verras Meriti sortir la hache et te poursuivre. En criant « Baston !» Non, ça, c'est moi, ça. Putain, mais il est super loin, l'autre. Ah si, mais j'ai un fly, là. C'est bon. En plus, je suis juste à côté. Hop, voilà. Oh, c'est bien dit, ça. T'as d'ailleurs, t'es pas au courant, Myst. Il paraît que, comment s'appelle, la prochaine... ils vont remplacer Pikachu. Ils vont mettre Togepi à la place comme vedette. De la prochaine du prochain jeu. Avant qu'un jeune tortolan puisse calligraphier son premier parchemin, il doit s'entraîner sur des. Je te rappelle qu'ils ont fait un jeu sur Magikarp. Hein. Donc j'étais toi, je commencerai à me poser des questions.
Non mais elle va m'envoyer faire des conneries elle. Quel plaisir. Ah non, je suis prête. Je dois faire quoi? Ah bah. Voilà, c'est fait. Mais je pense que vous pouvez faire mieux. Ah, la jeunesse dans toute sa splendeur. Votre coup de crayon. Voilà. Regardez comme leurs yeux brillent. Ah ouais, j'avoue, ouais, il y avait des canettes, il y avait Togepi, il y avait Pikachu, Salamèche, Bulbizarre et machin, la tout rose. Et Mew, non, c'était pas Mew, c'était le truc là qui chante. Rondoudou, voilà. Donc ce week-end, on a été au magasin Pulp. Alors normalement, c'était Harry Potter avant, mais a priori, ça devait pas être si rentable que ça. Ils font... Et en gros, ils ont donc ils ont mis une partie où tu as beaucoup de trucs en import. Et il y avait donc les canettes. Il y avait des genres des aquariums, il y avait des terrariums, il y avait plein de petits trucs comme ça, des boules transparentes, avec évidemment avec les figurines Pokémon. Et le truc, c'est que tu les collectionnes pour à la fin. Il y en avait un, c'était un arbre. Où tu connexionnais les étages et t'avais des trucs dedans. Une créature maléfique menace mon peuple. Éliminez-la. J'adore le mec qui ose pas taper le machin, qui ose pas parler ni quoi que ce soit au truc, de peur de l'aggro, tu vois. Mais le mec il fait plus de DPS que moi. Il espère quoi? Je vais garder moi mage, je vais garder l'aggro avec en étant tissu, alors que lui il a. Ah, moi ça va être dur hein, Ryan, hein, pour toi. Hein. Ah, t'as à t'asseoir. Hein. C'est quoi le premier jeu que vous avez joué de votre vie? Alors moi, le premier jeu auquel j'ai joué, t'as intérêt à être assis mon grand, parce que c'est un jeu auquel tu t'attends pas du tout. Moi à l'époque, ça s'appelait Pong et c'était deux barres qui se renvoyaient un pixel. Donc c'était sur une machine qui s'appelait je sais plus comment. Elle avait un nom, couché dehors. Et voilà. Donc c'était les premières consoles de jeux qui étaient arrivées. Après il y avait des grosses bornes arcade un peu partout. Mais où tu avais un jeu de genre Yeti, c'est-à-dire qu'en gros tu devais passer de dans une montagne, en gros t'avais t'avais une borne arcade quoi, hein, et sur les bords t'avais tu avais, comment ça s'appelle, des corniches, et il y avait des méchants, etc. Fallait passer de corniche en corniche pour aller libérer la demoiselle qui avait été enlevée par Yeti. Après, ils l'ont fait en mini-jeu portable. Ouais, je sais, je suis une encyclopédie sur les trucs. Parce que j'ai eu des mini-jeux, là. Avant qu'on aille les consoles portables, il y avait des mini-jeux.
Eh ouais. On en a eu Mario, par exemple, que vous pouvez retrouver maintenant, qui vaut une fortune. Mais à l'époque, ça valait pas. Enfin, c'était Nintendo qui avait sorti d'ailleurs une partie de ces jeux-là. Moi, je les avais en version, je sais plus de chez qui. Moi, j'avais un lapin. Moi, j'avais un fermier sur lequel tu devais taper sur les lapins qui étaient essayer de te piquer les carottes. Bah, je te dirais plutôt les Spurs, mais ça dépend qui est. Regarde combien ils sont au classement. Après, qu'est-ce qu'il y avait eu encore Donc les premiers jeux électroniques, c'est des tout petits jeux. D'ailleurs, vous pouvez en trouver sur Internet. Après, j'ai un jeu de voiture ici qui est en... C'est pas ce qu'on appelle un jeu électronique. Je crois que c'est les jeux électromécaniques. C'est-à-dire que en gros, j'ai un volant, j'ai une petite voiture stylisée... Et j'ai deux bandes qui se déplacent et avec le levier de vitesse, je peux influencer sur le sur la vitesse de déplacement des autres voitures. C'était Tommy qui sortait ça en 76, je sais pas si vous imaginez. Ça s'appelait Formula One Tommy Electronic Formula One. Et je l'ai encore. Il est dans l'entrée à la maison. Alors par contre, c'est pas le jeu genre tu fais ça, tu peux jouer en cours avec ça. Je vais vous le mettre. Eh ben il veut pas. J'aime Streamlab qui veut pas mettre les liens. C'est ignoble. Hop. Non, c'est quand même terrible, quoi. C'est quand même hallucinant, quoi. Je peux pas mettre un lien. Non, c'est bon, je vais y arriver, t'inquiète. Donc allez voir, c'est 9, allez 9. Comme ça tu, au moins tu pourras aller te faire cuire un 9. Donc si vous regardez, en gros, voilà, ça a été mon premier jeu électronique que j'ai eu. C'est pas le premier jeu auquel j'ai joué, mais c'est le premier jeu électronique. Après j'ai eu un TO-770 comme ordinateur. C'était à l'époque où il y avait Thomson faisait des ordinateurs. C'est bien, j'ai Facebook qui m'envoie des suggestions d'amis. Arnaud, il est génial. J'adore Arnaud. Arnaud, depuis hier, il me fait ma pub sur Facebook. Merci Arnaud. T'es génial. Ah non, Ryan. Alors, je vais te dire franchement, je connais des gens bien plus calés que moi. Hein, moi j'ai une culture générale très large, mais il y a des gens bien plus calés que moi. Chez Spurs, parce que c'est en 2015, donc il y a 5 ans, c'est pas le numéro de Tony Parker? Par hasard? Non? Ouais.
J'ai pensé à lui parce que, comment s'appelle, je l'ai vu il y a 2 jours dans Astérix et Cléopâtre. Astérix aux Jeux Olympiques. Alors j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec Cornillac, pourtant que c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est très polyvalent et qui arrive à faire des trucs super. Mais alors par contre, le film est pas mal, ouais. Je trouve que Poulvord est un peu en surjoué, c'est dommage. Après voilà, c'est du Poulvord, on aime, on n'aime pas. Alors là, je suis pas assez poussé comment ça s'appelle, en basket pour te dire ça. Là, j'avoue, c'est pas mon domaine. Tu m'aurais demandé beaucoup d'autres choses, j'aurais dit. Allez, par rapport à son père. Je sais pas pourquoi, mais je sens bien le père. Vas-y. Ah bah, tu vois, Ryan, il pense un peu pareil que moi. Attends, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Corbeau attentif, tu es... Ah, c'est des corbeaux qu'il faut que je défonce. Alors, Dream Team, parce que son joueur préféré avait le numéro 9. Par hasard. Le numéro 9 en Dream Team, ça pouvait être qui? Ça pouvait être... Il y a du monde, attends, en Dream Team. Alors, en plus, laquelle? Parce que... Dream Team, il y en a eu 4 ou 5 des Dream Team. Enfin, des vrais Dream Team, je parle. Mais chaque année, c'est une Dream Team hein, qu'ils envoient aux Jeux Olympiques. En 92, ouais, donc déjà, c'est plus mon année. Dream Team... Magic Johnson. Au hasard. Sans regarder. Non, Jordan alors. Mais si c'est pas ça, c'est un autre joueur. Il y a eu tellement de bons joueurs dans cette équipe, c'est difficile de tous les nommer. Nos fermiers vous sont reconnaissants de les avoir aidés à chasser les bêtes. Ouais, bah ouais. Mais franchement, si vous voulez voir du beau basket, ouais, regardez voir les matchs de la Dream Team, c'était effarant quoi. C'était, moi je me souviens m'être couché à des heures pas possibles pour pouvoir voir les matchs qui étaient le soir. Mais c'était phénoménal quoi. Les gars mettaient des 27 à 150 à des équipes de l'Egypte ou des conneries comme ça. Les gars, mais moi je me souviens avoir vu les mecs, bah, je crois que c'est l'Egypte hein, ou le Maroc, une connerie comme ça. Les mecs arrivaient sur le terrain. Et les gars, mais en gros, ils ont vu les joueurs adverses étaient arrivés avant les joueurs américains. Les joueurs américains sont rentrés, c'était les joueurs adverses, c'était des enfants devant des stars quoi. C'était Noël pour eux quoi. C'était un enfant devant une vitrine de jouets quoi. C'était oh, mon Dieu, les mecs ne pensaient qu'à une chose, c'était à récupérer les maillots à la fin du truc. Ils avaient été voir les gars en leur disant on pourrait échanger les maillots, vous pouvez me choisir. Les mecs, le match n'avait même pas commencé que les mecs voulaient déjà signer les maillots quoi. Ouais bah ouais, je me doute, ouais. Michael Jordan comme ça, il était sûr de le croiser, ouais. Et il a racheté Hornet Jordan. Il va falloir que je regrègle le Mubot pour qu'il se mette moins souvent en marche. Là, quand ça parle beaucoup, on voit un peu trop.
Ah ouais, bah ouais. C'est un peu comme partout, hein. Les gars disent qu'ils ont. Les anciens prennent. Achètent souvent. Là, t'as. En F1, t'as Ascari qui est venu à l'aide de McLaren. C'est pas pour rien, quoi. T'as beaucoup de. C'est comme Lauda avec Mercedes, etc. Les gars investissent dans là où ils étaient. Ou travaillent là pour. Là où ils étaient. Je suis vers Nico. Arnaud est passé tout à l'heure, j'aurais voulu le remercier, mais c'est dommage. Je l'ai loupé. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, les gars, ils investissent, hein, de toute façon, moi, je ferais pas un peu pareil. C'est comme dans le foot, hein, t'as des mecs qui ont investi dans leurs équipes. T'as Parker qui a acheté des clubs aussi en France, donc voilà, ça aide. D'ailleurs, en parlant de basket, moi je vais voir les matchs. Alors pour l'instant, je peux, donc je le fais encore. Mais je vais voir les matchs du Paris Basket. Alors je sais qu'il y a deux équipes, c'est pas celle du PSG que je vais voir, c'est l'autre. Celle de Paris du Paris Basket. Et les matchs sont très sympas, il y a d'anciens joueurs de la NBA qui y jouent. C'est vraiment très sympathique. En plus, les prix sont vraiment. C'est minime quoi. Je crois que c'est 10 euros la place, un truc comme ça. Donc, ah mais tout le monde n'est pas bien, tout le monde n'est pas. Alors, je vais revoir ma phrase que j'allais dire. C'est, on peut être très bon joueur, mais on peut être très mauvais coach ou très mauvais directeur. Il y a beaucoup de gens dans le sport qui pensaient qu'ils étaient très bons joueurs. Hein. Enfin, pas qu'ils pensaient qu'ils étaient de très bons joueurs, mais qui étaient de très bons joueurs. Qui se sont vus tout de suite coach, etc. Et qui finalement, bah, ils étaient pas bons, quoi. Et le problème, c'est que même des grands champions. Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai fait un cours d'initiation en judo avec David Douillet, quand j'étais au lycée. Parce qu'il était prof dans la ville voisine, quand il était plus jeune, et du coup. J'ai eu David Douillet comme pour une après-midi parce que nous on n'avait pas le droit de d'aller faire du judo. C'était réservé aux élèves général. Moi j'étais en pro à l'époque. Tu les connais en vrai ou de nom? Si tu les connais en vrai, là tu me fais flipper là. D'ailleurs ça pourrait, hein. Ça pourrait. Hein. Mais ouais, non, bah c'est ça, Ryan, hein, tu sais, quand t'auras notre âge, enfin, quand t'auras mon âge ou tu seras plus vieux, tu verras, tu vas accumuler. Ouais, c'est ce que me dit Meriti. Déjà en voiture, Ryan, t'es bien calé, hein, je te le dis. Mais tu verras, tu vas accumuler des connaissances, etc. Tu vas pouvoir, bah, tu vas vivre, tu vas voyager, etc. Tu rencontreras des gens. Et puis bah c'est toi qui prendras notre place ou si on se côtoie toujours, avec le temps on sait jamais. La vie est faite que des fois on se perd de vue. Mais comment ça s'appelle? Tu me diras, bah tiens, j'ai croisé un tel, tu vois. Mais tu vois, par exemple, là, j'ai croisé les Fred of the Dead au mois de février. J'ai croisé. Qui j'ai croisé encore? J'ai croisé les Simpsons, tu vois. La voix française des Simpsons. J'ai croisé Padge. J'ai croisé. Qui j'ai croisé? J'ai croisé. On a vu la. Avec Meriti, on a vu la voix de Sangoku à la Paris Games Week. À Paris Games Week, j'ai rencontré aussi Marcus. Enfin, vite fait, hein, Marcus. Hein. On a juste eu le temps de faire une photo. J'ai pu parler donc avec la voix de Sangoku, avec Omega Zell, des noobs.
Puis des fois, comme dit Meriti, on a vu des gens courir après des gars en me disant, ouais, c'est un tel, un tel, un tel. Ouais, c'est qui? Tu vois, donc la première fois que j'ai rencontré Pepe Garcia, je ne sais absolument pas qui c'était. J'ai vu un gars passer, je savais pas du tout qui c'était. C'est un pote à moi qui m'a fait JP, JP, viens voir, il y a Pepe Garcia, c'est un youtubeur et tout. Alors moi, je suis pas du tout youtubeur. Déjà, me retrouver là maintenant à faire du stream sur Twitch, déjà, c'est que voilà, hein, c'était pas prévu au programme, je l'avoue, hein. J'avais jamais prévu, si on m'avait dit il y a 10 ans, la situation dans laquelle je suis à l'heure actuelle, c'est-à-dire vice-président d'une association de cosplayer, maintenant streamer en plus, franchement, je vous aurais dit non, mais vous avez fumé les mecs. Hein. Elle est bonne celle-là, faut pas la lâcher. Hein. Surtout, donnez-moi votre fournisseur, hein, parce que celle-là, je sais pas ce que vous prenez comme pilule, mais elle est sans sas. Hein. Donc voilà, toi Ariane, on sait pas de quoi la vie sera faite. J'ai même un jour, j'ai même un. C'était Cannonball. Cannonball, qui est un catcheur français. Alors, faut vraiment connaître le catch français. Hein, voilà. Qui m'a carrément filé son numéro de portable en me disant, si un jour tu veux un. Tu fais un truc, appelle-moi. J'ai fait, bon. Ok. Tu vois, j'ai aussi. Comment elle s'appelle? Ah! Pamela Ro Pam Rose. Ma plus belle rencontre avec une personne connue. Je sais pas. Je sais pas, il y en a eu, y a eu des moments super sympas. La plus belle rencontre, il y en a plein, il y en a plein, il y a des super moments. Bah si, Miss, la preuve, tu me connais, moi. Non, moi je suis personne, comme je le dis tout le temps, moi je suis personne. Mais ça m'a fait drôle la première fois qu'on m'a reconnu dans le métro. J'avoue que la première fois que le mec s'est arrêté, ou en conve, quand on me fait salut, qu'on me dit mon pseudo, qu'on me dit salut JP Armstrong, ça va et tout, ça m'a fait bizarre. Moi je suis personne, hein, moi je le dis, hein, demain j'arrête tout ça. Je suis monsieur tout le monde, hein. Je paye ma place comme tout le monde pour aller déjà même déjà de base. Je paye ma place pour aller au Paris Games Week comme tout le monde, dans les salons comme tout le monde. Donc voilà, je suis personne moi, hein, faut pas croire. Je suis un mec cool qui veut essayer de rester cool et qui fait plein de choses délirantes. David Hallyday, j'avoue que c'était bien cool. David Hallyday et Pam Rose. Pam Rose, ça reste un moment plutôt sympa. J'avoue que David Hallyday, je suis un peu resté con. Le mec qui a perdu tous ses moyens et tout, c'était vraiment terrible. Mais c'était vraiment une belle rencontre. Pam Rose, en gros, c'est un personnage secondaire de Star Wars. Le Pamro, c'est un personnage secondaire de Star Wars. Non, mais cherche pas, Mist. J'en ai plein des comme ça avec Meriti et moi. Il n'y a pas que David Hallyday, hein, il y en a plein. Il y a aussi Fabien Fournier des Noobs, à qui j'ai passé. Et c'est Tortora, je crois, la dessinatrice, c'est ça, hein, Meriti. Torta. Et Florence Torta, qui est. Ouais, c'était vraiment un super moment. Et franchement, comment ça s'appelle? C'est il y a beaucoup de petits trucs comme ça. C'est ouais, mais si je leur dis après, tu vas gueuler, Meriti. Comme je l'ai dit, il y a plein d'endroits où je suis allé, où j'ai rencontré des gens que Meriti adore. Et voilà quoi, c'est comme ça. Hein, mais bon. Il y a des endroits aussi où j'aurais aimé aller, où je suis allé, j'aurais voulu rencontrer les gens et j'ai pas pu. Alors moi, Romain Grosjean, j'ai pu lui. T'as rencontré Romain Grosjean, Ryan?
Romain Grosjean, je lui ai parlé sur avec, je parlais avec lui, c'était sur Facebook, je crois, ou Insta à un moment. Pareil avec avec Margot Laffitte. On parlait à un moment il y a longtemps. Hein. Ça fait déjà un bon moment. Ah ouais, c'est cool ça. C'est cool quand tu peux rencontrer les gens. Après, moi, j'ai bossé dans l'événementiel il y a très longtemps. Donc, j'ai rencontré énormément de gens. Après, dire que je les connais ou qu'il y a eu des bons moments, non, pas spécialement. Mais c'est top, Ryan, c'est GG, hein, c'est génial. En plus, Romain, c'est un mec génial, en plus. Il est super gentil, il prend le temps de papoter, de parler avec les gens. Enfin, voilà. Moi, j'avais gagné un truc... Quand il était avec Total chez Lotus, il m'avait envoyé un mot et tout en me remerciant d'avoir participé. Mais je lui avais répondu. Du coup, qui est Romain Grosjean? C'est un pilote de F1 Miss Magic qui a roulé pour Renault Lotus et qui maintenant roule pour Haas Grand Prix. Et donc je disais, ouais, j'ai eu l'occasion de pouvoir croiser Pam Rose. Pam Rose qui est une actrice qui a joué dans Star Wars et dans les films de Superman. Voilà, c'est... en gros, je l'ai rencontré dans une petite convention en Bretagne. Et donc elle faisait une... dans Star Wars, c'était une alien dans la cantina. Enfin, elle a joué dans plein de grands films, mais beaucoup des seconds rôles, quoi. Et du coup, en gros, on s'est retrouvé dans une convention. Elle était en tant qu'invitée. Moi, pareil, j'avais un stand d'animation. Et du coup, on a commencé à taper la discute. Alors, sachant qu'elle ne parle pas anglais, elle ne parle pas français du tout, elle est anglaise. Et moi, vous connaissez mon niveau d'anglais, hein, voilà. Et mais on a rigolé pendant tout le week-end. Elle va se faire des blagues, des conneries, voilà. Et à la fin du week-end, du coup, elle m'a filé son numéro perso. Donc j'ai le numéro perso de Pam Rose, qui court les conventions à travers le monde pour les conventions Star Wars et tout. Et qui m'a fait des cadeaux aussi, pareil. Et ça a été un super moment. Voilà, c'est pas obligatoirement quelqu'un de super connu. Bon, après, c'est très. C'est plutôt des personnages secondaires de Star Wars. Mais voilà. Ça a été une belle rencontre. Sinon, le plus marquant, après, ça serait Hillary Clinton. Parce qu'elle était en déplacement, comme j'ai dit, j'ai bossé dans l'événementiel il y a longtemps. Et il cherchait des gens voilà, pour être là, pour si jamais elle avait besoin de quelque chose. Et je me suis retrouvé, on m'a pas dit que c'était, on m'a dit voilà, vous allez être dans la pièce, il va y avoir un invité qui va venir, vous répondez à ses exigences. Voilà. Et puis c'était Hillary Clinton. Bah c'est cool ça, Ryan, c'est génial. Moi j'aurais bien. Là tu je suis jaloux de toi là. Parce que des pilotes, j'en ai croisé, mais j'ai jamais été faire des tours de voiture avec eux. GG. Ah, j'aurais dû aller voir ce qu'il y avait à l'HB. Bah ouais. Ah, j'ai rencontré aussi celle qui double... comment elle s'appelle?
Je connais aussi la... Comment ça s'appelle? Emma Watson. Ouais, ça serait bien. Je connais aussi la doublure voix française de Gamora. J'ai rencontré pareil à Univers Star 2 comme Pam Rose. Bah Emma Watson était à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Elle avait. Comment ça s'appelle elle était. C'est un pote à moi. Qui avait relayé le truc, elle était pour un forum sur la place des femmes, un truc comme ça dans la société, et elle était venue en France. Selon la rumeur, les gangs ont mis la main sur des explosifs d'Azérite. Tant que cet armement n'aura pas été récupéré, c'est tout Boralus qui sera en danger. Après, bah si, ah si, comment ça s'appelle? Il y a aussi, bon après il y avait les acteurs de Buffy qu'on a vus à la Paris Manga aussi, il y a quelques années, avec Darknelic. Qu'est-ce qu'on a croisé encore? Je sais plus. Il y en a plein d'autres. Le problème c'est pas de les, enfin des croisés, le problème c'est de les approcher. Après c'est très difficile en général d'approcher ces gens-là. Après, des fois, il suffit d'y aller au culot, d'être là au bon moment, et puis bah, voilà quoi. Faut le tenter. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Puis, pas jouer les relous, surtout aussi. J'avoue, si tu parles pas un mot d'anglais et que tu vas voir Emma Watson, ça va peut-être un peu difficile. Moi, je sais que je le tenterai pas. Hein. Après, ils sont souvent entourés de gens qui peuvent traduire. Hein. On l'a vu, nous, avec Darknelic, on a eu Mark Texera, qui est un dessinateur pour Marvel. En gros, il y a 2 ans, 2-3 ans, on a fait le Free Comic Books Day avec Darknelic. Et donc, d'ailleurs, le Free Comic Books Day, c'est samedi prochain, c'est dans 2 jours. Donc, allez dans les Fnac, allez dans les librairies spécialisées, en comics, etc. Ils vous donneront des comics gratuits.
En général, ils vous en donnent 3-4. Et puis après, si vous achetez, en gros, il y a une dizaine de il y a une sélection d'une dizaine de comics. Et si vous en achetez plus, enfin, ils en donnent 3-4 au départ. Et si vous en achetez, ils vous donnent un peu plus. Voilà. Mais ça fait toujours du comics gratuit. Alors, moi, cette année, la sélection, je la trouve pas ouf. Après, c'est mon choix. Hein. Voilà. Mais elle vend quoi, elle, aujourd'hui? Oh, attends, elle vend des trucs sympas, elle. Des fois, tu vas me saouler. Tiens, hop, je disparais. J'ai pas de temps à perdre avec toi. L'ourson de Dunmorog. Mais c'est pas un truc qu'on a déjà, ça, Meriti? L'ourson de Dunmorog. On n'a pas déjà cette... Voilà. Donc ça, c'est un truc que les gens connaissent très peu d'en haut. C'est le marché noir. C'est... Alors non, Ryan, nous, on est spécialisé Star Wars. On fait que du Star Wars. Voilà. Il ressemble à quoi, celui-là? Ouais, il est pas sans sas. Sandales de la foi. Ça, c'est un truc pour prêtre, ça. Non. Ah non, ça devait peut-être être pour machin. Il y a Kova. Le problème, c'est qu'il ne me met pas si je les ai ou pas. C'est ça qui est bizarre. Ça veut dire 20 000 quand même pour une mascotte, ça fait mal. T'as jamais vu Star Wars, Ryan? T'as loupé quelque chose. Un conseil ce week-end, fais-toi une rediff. Mais commence par le 4, 5, 6. Hein. Pas par le 1, 2, 3. Hein. Ouais. Non mais il est jeune, Mist. Ryan est jeune, Mist. Donc je disais, ce week-end, Mist, en gros, si tu vas dans les comic shops ou les dans une Fnac ou enfin dans les grands trucs où ils vendent des comics, tu peux ce week-end récupérer une sélection de comics. Alors en français cette année parce qu'on n'aura pas l'américaine, malheureusement. T'étais dans une cave. Non, bah voilà, on n'a pas tous obligation d'habiter dans un endroit où il y a un cinéma ou autre, et voilà quoi. Ou c'est peut-être pas son centre d'intérêt, quoi. C'est tout. Moi j'ai des collègues au boulot qui n'ont pas, quasiment pas vu de Star Wars, hein, qui n'aiment pas ça. Hein. Donc voilà, exactement. Donc voilà. Moi j'ai un collègue au boulot, il m'a dit: moi j'aime pas Star Wars. Bon bah il aime pas Star Wars, hein, qu'est-ce que tu veux. En même temps, j'ai 150 profs au boulot, il y en a certains, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une télé, alors c'est pour te dire. Eux, il n'y a que le papier qui les intéresse. Et donc, voilà, donc le Free Comic Books Day, voilà, c'est... vous allez dans... Souvent, les magasins de comics font des événements. Par exemple, moi, je vais à... Comment ça s'appelle? À Central Comics à Paris, qui est tenue par Dynamo. Et on a, comme ça, on peut rencontrer des dessinateurs. Ouais, dis ça à des fans de Star Trek, on en reparle. Donc, je disais, et en général, ils essayent d'inviter des dessinateurs ou des trucs comme ça, de faire des quiz, faire gagner des choses. Donc allez voir, ça vous permet d'avoir des comics gratuits. Moi, j'ai vu la sélection, il y a un Batman qui a l'air intéressant, si vous aimez les comics en général. Il y a aussi The Mechanica, qui est un super super comics, très très steampunk, mais très très sympa, très bien dessiné. On l'a eu l'année dernière. Je sais pas si ça sera le même cette année, je verrai si je le prends ou pas. Mais attends, je vais aller voir la sélection. Oh,
Oh bah tu sais, tu le trouves facilement, hein, Star Wars sur internet, hein. C'est pas un problème. Alors, à un moment, on voulait essayer de, comment ça s'appelle, de créer un événement avec la sauce pour le faire diffuser dans un, comment ça s'appelle, un cinéma, voilà, d'organiser nous-mêmes. Mais financièrement, c'était infaisable. Je crois que la soirée, c'était 10 000 euros, un truc comme ça, ou 20 000 euros, pour juste un film. Alors, cette année, on aura... Il faut que j'arrive à te choper là. Donc, on aura Invisible Kingdom, que je connais pas du tout. Ah là, les trois quarts, je les connais pas. Il y aura Blade Runner 2019, ça, je connais, par contre. Il y aura My Time GT. Il y aura... je t'ai dit qu'il y a un Batman, normalement, si mes souvenirs sont bons. Ah, c'est peut-être ça. Voilà, alors attendez. Je vais peut-être l'avoir. Donc on aura la sorcière secrète, Invisible Kingdom, Blade Runner, Bone. Absolute Carnage. On dirait que c'est du Spider-Man, mais je suis pas sûr. Il y aura Horseback. Il y aura un truc qui ressemble un peu à... Non. Carbone et silicone, un truc comme ça. Il y aura un Spider-Man avec marqué double peine avec entre Spider-Man et Venom. Et Man MGT, Alan Moore versus Vision. Il y aura un troisième Spider-Man et il y aura le fameux Mechanica, je crois. Non, il y en aura un autre encore. Je sais pas ce qui. Il y aura des trucs sympas. Ah ouais, il y a quand même le Spider-Man de père en fils qui pourrait être sympa. Ah, Venom et Spider-Man échangent leur corps. Ah, sympa ça. Ouais, là c'est. Alors, Spider-Man de père en fils, en gros, c'est un Spider-Man qui a été écrit par J.J. Abrams. Oui, le J. Abrams de Lost, Star Wars, Alias, Fringe, etc. Je crois qu'il a même fait du Star Trek. Et son fils Henry Abrams, voilà. Il y aura Man MGT. Ouais, si, Miraculous, ils en sont fans. Hein. Ce que tu crois. Mes enfants, ils sont à la page. Voilà. Donc, normalement, j'ai cru voir un. Comment ça s'appelle Je croyais qu'il y avait un. Je suis persuadé d'avoir vu un Batman. Dans l'eau. Mais bon. Il y est pas. Donc voilà. Après Ryan, ouais, vaut mieux que tu le vois pendant que t'es jeune parce qu'après on n'a plus la même vision des films. Donc vaut mieux les voir jeunes. Moi j'ai fait le les vois pas tous les uns après les autres. Hein. Tu vas te dégoûter. Hein. Tu fais genre un par semaine, c'est déjà pas mal. Et les comics se sont bien faits en plus aussi. J'aime beaucoup. Au point où j'en ai même vu le prix des comics maintenant. Là en ce moment, c'est je viens de voir les nouveaux prix. À 8,90€ le comics, je pense que Panini s'en met plein les fouilles là. Là franchement, ils abusent. Donc les comics sont super bien faits. Et alors, si jamais t'aimes bien Star Wars, Ryan, ce que je te conseille, c'est les bouquins. Mais va pas les acheter prix fort à la Fnac ou quoi que ce soit. Va chez les libraires d'occasion. Ce qu'on appelle les bouquinistes, tu vas trouver des vieux bouquins et tu pourras les payer une misère. Et même chez Cash Converter, des fois ils en ont. Pareil pour les comics, des fois ils ont des comics et tu peux les payer une misère quoi.
Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Bah, il est tard, il est presque minuit moins le quart. Je vais me lever tôt demain matin. Donc, je vais. Vous pouvez continuer à parler dans le chat, mais moi, je vais devoir y aller. Donc, je vous laisse la maison. Et je vous remercie tous d'être passés. Vous êtes bizarre dans cette famille. Ouais, non, mais t'inquiète. Il y a pire. Il y a bien pire. Encore que. Tu sais, on est tous bizarres. On a tous nos. Tu sais, on est tous bizarres à notre façon. En même temps, si vous êtes là, c'est que vous. Voilà, c'est comme dit Meriti, c'est que vous nous aimez bien. Sinon, vous seriez pas là à m'écouter déblatérer toute la soirée. Bon, sur ce, je vous fais un gros bisou à tous. Je vous la fais pas version ASMR, mais. Être normal, c'est ennuyant, ouais. Moi, j'ai un gars un jour qui m'a dit. Un jour, je lui racontais un truc qui m'est arrivé, mais vraiment ignoble. C'est qu'il disait l'être humain est. Si vous voulez, je peux vous le faire comme ça. Vous m'entendez? Le truc que je déteste. À la version ASMR. Mais je sais pas si le micro est capte ou pas. Vous m'entendez? Donc je disais. Moi non plus, je comprends pas comment les gens peuvent arriver à se détendre. Moi j'ai envie de passer de l'autre côté du micro, lui mettre un gros coup de latte dans la tête. Tu vois? Donc du coup. En plus, moi je passe ma journée à gueuler, donc le soir. J'ai pas envie de parler comme ça. Mais qu'est-ce que je disais? Donc ouais, je disais, je sais plus ce que je disais du coup. Vous m'avez surpris, vous m'avez eu. On mettra des points de chaîne, tiens. On fera, si vous voulez, une version ASMR pendant un quart d'heure. By Meriti ou moi, vous pourrez. Vous pourrez avoir la version ASMR. Alors par contre, je ferai pas comme Omega Zell, hein. Je vous ferai pas la version yaoi, machin, etc. Hein. Vous aurez le droit qu'à la version normale comme ça, tu vois. Le truc qui est bien relou, quoi. Parce que, en plus, ça me force à forcer sur ma voix. Alors que je pourrais pas tenir 10 ans. C'est rare pourtant plus que je me souvienne pas de ce que j'étais en train de raconter, mais tu racontais un truc à un pote qui t'était arrivé. Oui, bah c'est pas grave, t'inquiète pas, ça me reviendra pour la prochaine fois. Ça rapporte grave la ASMR. Ah ouais, non, mais ça rapporte grave, hein. En même temps, quand t'es une nana, ça rapporte tout court, hein. Une fanfic entre Meriti et Togepi, ça t'intéresse pas? Non, alors je t'avoue que franchement, Pokémon, ça me fait pas fantasmer du tout. Mais alors, pas du tout, moi. T'en as d'autres, peut-être, hein. Mais alors, moi, rien à battre. Qu'est-ce que je sous-entends? Alors, qu'est-ce que je sous-entends quoi? Que par rapport à Pokémon, Pokémon, c'est pas du tout mon truc, quoi. Voilà. Je joue parce que on joue dans la famille à Pokémon Go. Mais sinon, j'ai pas d'affinité avec Pokémon, quoi. C'est pas du tout mon centre de. C'est pas du tout le jeu auquel je. Tu vois, tu me dis demain, il y a un nouveau Pokémon qui sort, je fais. Ouais.
pas de souci. Je comprends pourquoi des fois quand je dis à certaines personnes ouais, demain il y a la nouvelle extension de WoW, mes collègues me regardent au boulot en me disant oui, tout à fait. Et tu es heureux, c'est bien. Page introuvable, cette page n'est pas disponible. Elle est pas mal celle-là. J'avais pas fait attention. Hop là. C'était la page où Pokémon Ryan. J'avais pas percuté que j'avais un truc qui était complètement décalé. Pour moi, j'étais persuadé d'avoir coupé, donc... Merci à tous ceux qui sont là parmi nous. N'hésitez pas à follow et on essaye d'avoir... il nous manque 9 follow. 9. C'est plus grand chose. On n'est pas loin. Donc n'hésitez pas à follow pour ceux qui viennent d'arriver. Malheureusement, on va s'arrêter ce soir là. On a fait un... Je devais faire qu'une heure, j'en suis déjà pas loin de 2 heures et quelques. 1h43, bah voilà. Ryan, oh demain il y a un... Mec, demain il y a un nouveau Pokémon qui sort. Moi j'ai mangé une pomme. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Par contre, l'inverse c'est pareil. L'inverse c'est pareil. Moi, demain je peux faire. Putain, il y a une super classe qui vient de sortir dans World of Warcraft, et mon collègue au boulot qui me fait « C'est bien. Viens, allez, on va bosser. » Tu vois, c'est pareil. Donc, je comprends tout à fait la réaction des gens. C'est pareil quand je fais plusieurs 2-3 heures de route pour aller à une convention et que des fois, bah, dans la voiture, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Ça peut être des fois marrant. Voilà. Une fois, je me suis retrouvé avec un gars comme ça qui aimait les Power Rangers. Une série tout à fait sympa. Non, encore mieux. Une fois, j'ai un gars qui est quand même qui m'a parlé de Bob l'éponge. Et là, qui m'a raconté le... En gros, faut savoir une chose, c'est que Bob l'éponge, le mec qui écrit Bob l'éponge, a fait plusieurs niveaux de lecture. Et du coup, le gars me disait que Bob l'éponge, en gros, tu pouvais avoir différents niveaux de lecture et qu'en réalité c'était un truc super engagé politiquement. Et là je me suis souvenu de Bob l'éponge en train de baver, en train de vomir ou des conneries comme ça. Et là je me suis dit c'est pas possible. Moi je peux parler de tout sauf de F1. Bah écoute, Miss Magic, il est temps de t'y mettre alors. Il n'y a pas de choix. En plus la saison va reprendre le week-end prochain, je crois. Si mes souvenirs sont bons, ou celui d'après. Donc tu vois, c'est de la bonne occasion. D'ailleurs, en news F1, on a... tiens, un petit news après, j'arrête. Attends, il est presque minuit, demain, je vais pas arriver à me lever. Alors, en news F1, qu'est-ce qu'on a? On a... Ocon qui arrive chez Renault. On aurait peut-être l'arrivée en 2021. Alors, je parle de 2021, je parle pas de 2020. 2020, bon, bah, personne ne bouge là, hein. Pour l'instant tout le monde attend de pouvoir rouler. Normalement, d'ailleurs je ferai peut-être des trucs pendant, on fera des petits lives où j'essaierai de choper si on peut pas avoir des images, des choses comme ça. Je peux pas retransmettre, j'ai pas les droits, mais on peut toujours essayer d'avoir des trucs. Mais pour ce qui est de la F1, en gros, les grosses news, c'est Ricciardo qui part chez McLaren. On a le départ de Vettel de chez Ferrari, qui aimerait aller chez Renault, mais Renault, ils en ont pas trop. Ils vont pas le payer 35 millions. C'est même pas la peine. Donc on aurait peut-être Bottas. Ou. Alors attendez, c'était Bottas. Peut-être Vettel, mais ça m'étonnerait qu'il le paye 35. Là, on l'écoute plus, on peut parler de ce qu'on veut. Ouais, bien sûr. De toute façon, je vais y aller, donc t'inquiète pas. Mais c'est pour Ryan, je sais que ça l'intéresse. Pour tous les autres qui passent. Parce qu'on est 5.
Donc là, vous êtes que 3 sur le chat, mais il y en a 2 autres qui ne parlent pas. Donc je remercie tous ceux qui passent, et voilà. Et donc du coup, on aurait peut-être une arrivée de Vettel ou de Bottas ou d'un autre pilote, ou peut-être de Romain Grosjean chez Renault. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On a eu McLaren qui a failli couler cette semaine, qui a été renfloué par, par quelqu'un. Je crois que c'est Ascari, mais je suis pas sûr. Voilà, maintenant, Mighty, elle est adorable, c'est ma super modo. Mais lâchez un follow, ouais, il nous en manque plus que 9. 9 et on peut faire des conneries. J'ai déjà des idées d'émoticônes. Ouais, tiens, ah putain, on va faire une émoticône Togepi, tiens. Rien que pour embêter Myst. En plus, je signale qu'en plus, les émoticônes, c'est au compte-goutte. Hein. Faut vraiment avoir des points de chaîne pour les avoir. Hein. C'est chaud. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà. En news F1. Ah si, on va avoir beaucoup de... Alors, j'ai un petit compteur. Vous avez pas vu, j'ai un compteur de spectateurs. Alors, faut que je l'augmente parce que là, j'ai un souci de taille. Voilà, on va le mettre plus grand. Voilà, maintenant, je sais. Vous pouvez voir combien on est. Donc là, on est 4. Moi bon, en plus, je swing à la Dormiriti, alors t'as intérêt à faire gaffe. Hein. Tu penses quoi du concept F1 2022? Bah écoute, Ryan, on en parle demain soir si tu veux. Parce que là, il est presque minuit, faut vraiment que j'aille dormir. Mais moi, franchement, personnellement, je suis pour. Je suis pour, pareil, là, j'ai lu une interview de Jean Todt qui a été faite en début de mois sur beaucoup de changements. Et du coup, comment ça s'appelle il a eu une très très bonne vision du confinement, etc. Jean Todt. Et bon, après, ça reste un grand monsieur, Jean Todt. Hein. C'est pour ça que là, avec tout ce qui se passe, il le relance d'une année. Normalement, il aurait dû arrêter. Mais ça, on en parle demain soir, si tu veux. Ok. Bon, les gars, je vous fais un... Allez, en version ASMR, tiens, juste pour vous embêter. Alors, ce soir, je vous dis bonne soirée. Un grand merci à tous ceux qui sont passés. Non, allez, je déconne. Bon, merci à tous d'être là. Ça fait super plaisir. Au moins, on passe une bonne soirée tous ensemble à papoter. J'espère que je suis pas trop barbant. Et je vous dis sûrement demain soir, vu que demain, c'est la fin de la semaine. On va être tranquille. On va pouvoir dire plein de bêtises et faire plein de bêtises et jouer à plein de trucs, à plein de conneries. D'ailleurs, faudrait qu'on réessaye Overcooked Merity. Ça pourrait être fun. On va essayer de le prendre en version multijoueur. D'ailleurs, est-ce que ça vous tenterait. Je sais pas, on peut le jouer online à Overcooked? On va voir ça. Si on peut jouer à Overcooked à plusieurs en même temps, ça serait top. Est-ce que ça vous dirait de faire des parties de jeu vidéo avec nous? Dites-nous dans le chat si ça vous tente. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne soirée. Ou pour ceux qui vont travailler, bon travail. Ah si, attends, Overcooked, ça va mourir de rire. Moi, j'arrive pas à faire plus de 2 plats. Après, je fais brûler la cuisine. Mais on verra. Moi, je suis le roi de l'extincteur. Bon allez, sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une bonne nuit, à demain. Bye.